Salut à toutes et à tous, c'est Silver. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure, enfin sur Alien Isolation. Là on en est à l'épisode 13 les potes, oui déjà, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Comme d'habitude, je vous laisse vous préparer, je vous laisse vous mettre dans l'ambiance, prenez des écouteurs, prenez à manger, à boire, et on se retrouve tout de suite après l'intro pour faire le débriefing. Allez, à tout de suite. Voilà, alors re les potes, hein. Comme vous le savez, dans les précédents épisodes, on galère. Ça fait deux épisodes où on galère à enfermer l'alien pour essayer de le tuer, essayer de le mettre hors d'état de nuire. Mais bon, on galère un peu beaucoup, j'ai envie de vous dire, parce que ça fait deux fois où on se fail. Là, la dernière fois, on avait fait un épisode pas trop mal où on avait essayé d'activer des trucs, je sais plus trop quoi, mais c'est des trucs importants dans des pièces importantes. Je sais plus quoi, hein. Franchement, faut que je regarde encore mes anciens épisodes. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que là, ce qu'on doit faire, c'est que on doit accéder au laboratoire de recherche du projet KG-348. Alors, peut-être que ça va me rappeler ce qu'on avait activé. Je crois qu'on avait activé vraiment des trucs. Mais en fait, je crois que c'était juste pour passer l'ascenseur. Hein. Je crois que c'était juste pour passer l'ascenseur, les potes. Et en fait, il faut trouver un chemin à l'intérieur des labos et activer les systèmes primaires de l'alarme. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite, hein. Les potes, c'est ce qu'on va faire sans se faire bouffer. Donc, est-ce que je peux passer peut-être par en dessous? Ouais, je crois que ça c'est une trappe, hein, il me semble. Il me semble que ça c'est une trappe, les potes. Ok. On va voir si on a besoin de rien. Besoin de rien, envie de toi. Je sais que c'est une blague pourrie, mais j'essaie de me déstresser parce que j'ai peur. Là. Ok les gars, ok. Donc apparemment, hein, oui. Il nous suit encore. Il nous suit encore. Il n'a pas lâché l'affaire, les gars. Donc, vers Gemini Exoplanet Solution, vers Systech Lawrence. Et là, c'est où? Accéder au laboratoire. Au laboratoire de recherche du projet KG. Ok, bah on va essayer de faire. Synchroniseur. Ouais, bah je pense que c'est ici, hein, les potes. Je pense que c'est ici. Alors. Merde, je. Hop. 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 Je suis pas rassuré. J'entends un connard qui marche dans les conduits. Allez. Ok. On va sauvegarder, les potes. Comme d'hab. Hein. Très important, la sauvegarde. Allez. Ok, peut-être c'est par ici, je sais pas. Je sais même pas pourquoi j'ai ouvert la porte. Hein. Ok, je pense que c'est par là, les potes. Et effectivement, c'est par ici. Maintenant, on va commencer à se faire discret. Les gars. Oula, oula, oula. Pièce de décontamination. Ok, hein, je sais qu'il faut que j'aille de l'autre côté, les potes. Je vais juste voir ce qu'il y a ici. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Non, ça sert à rien d'aller ici. Ça sert à rien du tout. On va passer par là. Alors, si ça se trouve, là-bas, c'est fermé. Et je vais devoir passer par là pour récupérer un truc. Hein, je sais pas, on va déjà aller voir. Allez. Pour l'instant, tout est normal. Je n'ai rien à craindre. Et effectivement. Ah, torche à plasma. Ça va nous être bien, bien utile. Allez. Nickel. Nickel. Utiliser le levier. Très bien. J'y suis, Wade. On peut séparer le labo de la station principale. Remettez-le en ligne et les systèmes pourront se reconnecter. Rétablir le courant dans le labo. Ok. Donc apparemment, on doit descendre. On descend. On sait pas ce qu'on va trouver en bas, les potes. Hein. Comme d'habitude. Hein. On navigue toujours dans l'inconnu. Et en plus, regardez, j'ai 30 de lance-flammes. Donc autant vous dire que...
que je vais pas aller loin avec ça, hein, les potes. Je veux vraiment pas aller loin. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Donc passer par là. Ok, c'est ici. C'est ici. Rétablir le courant dans le labo. Très bien. Très bien, très bien. Allez les gars. On peut y arriver, les potes. Ok. J'aime pas cette pièce, les gars. J'aime pas du tout cette pièce. Donc en gros, on doit aller là-dedans, peut-être. Il est pas loin. Il est juste ici, hein. Je le sens, les gars. Je le sens. On va ouvrir quand même, hein. On va ouvrir. Pour se préparer au pire, les potes. On continue, apparemment c'est tout droit et ensuite je devrais tourner à gauche. Enfin non, c'est pas tout de suite que je devrais tourner à gauche, les potes. Je dois faire tout le tour, regardez, je dois faire tout le tour. Oh, ça va être galère. Je pense qu'il va venir avant, hein, les gars. Là, je suis vraiment pas rassuré. Je suis vraiment vraiment pas rassuré, les potes. Va descendre, c'est sûr et certain. C'est une question de temps. C'est une question de temps, les gars. Mais nous, on perd pas de temps. On va essayer vraiment de tracer. Vous voyez, mon détecteur s'affole. Je pense qu'il est dans les parages. Hein. Il est dans les parages, les potes. C'est sûr et certain. Allez, continue tout droit. Il est là. Vous voyez, les gars, il est là. Il va se retourner. Bon, on va essayer de pas se faire voir. Il est sorti. Il est sorti. Il vole. Il va logiquement ouvrir la porte. Oh my god! En plus, je dois passer par là. Regardez, comme par hasard, je dois passer par là, les potes. Il est juste au-dessus. Ok. Ok, il est passé. Faut que j'essaie de passer par la porte. Ah oh, putain, rétablir le courant, je peux pas. Faut que je passe par... par le couloir où il est passé, les potes. Oh my god! Je suis bon, je suis dans la salle où il faut rétablir le courant, les gars. Apparemment, c'est ici. Allez. Je cherche pas à comprendre. Hein. Je vois un interrupteur, je vois un levier, je l'active, j'en ai rien à foutre. Je vais me cacher. Ça y est, le courant est revenu. Maintenant, reconnectez les systèmes du labo à Sébastopol depuis la console qui se trouve dans le labo central. On compte sur vous, Ripley. Ok. Première étape. Donc, activer le système primaire de l'alarme. Ok. Et comme par hasard, les potes, c'est dans l'autre c'est dans l'autre pièce où on était. Hein. Ça, pas laisser en douter, les gars. Allez, on va y arriver, les potes. On peut y arriver. Faut juste sortir. Je sais pas où il est. C'est ça qui me. C'est ça qui me fait. Je sauvegarde. J'ai peur. J'ai tout le temps peur. H24. Hein. Je vous assure, les gars, hein, quand vous jouez à ce jeu, vous êtes jamais tranquille. Jamais. Vous avez pas une seconde de répit, les potes. Pas une seconde. Vous jouez à ce jeu. Mais en tout cas, je vous le conseille. Hein. Vraiment, je vous le conseille. Il est vraiment stylé. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand vous jouez à ce jeu. Je me répète, vous n'avez pas une seconde de répit. Jamais, vous êtes tout le temps stressé. Vous avez toujours peur qu'il y a quelque chose qui surgisse ou qu'il y a quelque chose qui vienne derrière vous. Bon, après, c'est ce qui fait la beauté du jeu, hein, vous me direz. Oh, c'est quoi ça? Oh, dégage. Allez, crève. Petit enfoiré de merde.
Putain, le bordel, quoi. Allez. Je me répète, hein, je dis allez, allez, mais c'est pour me rassurer, les gars. J'ai peur de pas réussir la mission. En plus, surtout, il est pas loin. C'est bon, je suis dans la pièce. Je suis dans la pièce, les potes. Par contre, je sais pas où il est, les gars. Je sais pas où il est. Hein. Je sais pas. On va se dépêcher. On va se dépêcher. Allez. Je stresse. Je stresse, les potes. Je stresse. Je fais de la merde. C'est bon. Du coup, fuite de matière dangereuse confirmée. Lancement de la procédure. Qu'est-ce que je fais là? S'échapper du labo. Très bien. Ok, il est vénère. Il est vénère, les potes. On va s'échapper. Comme par hasard, c'est la sortie tout au bout là-bas. C'est la sortie tout au bout. Les gars, par où je suis venu, je ne sais plus. Je sais plus par où je suis venu. Je suis venu par là, il me semble. Les gars. Ouais, je suis venu par là. Et on va essayer de passer par ici. Oh putain, non. Non, 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 c'est pas par là. C'est pas par là. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Je suis désolé, je regarde la carte plein de fois, mais c'est de l'autre côté. C'est pour pas me fail en fait. Essayez de sortir d'ici le plus rapidement possible, les potes. Allez. Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie. Oui, mais tu éviteras de parler. Ça m'évitera de paniquer, bordel de merde. Mais oui, bien sûr, fallait qu'il passe par là. Il est où ? Attention, veuillez garder votre calme et rejoindre la sortie la plus proche. Désolé, Hurley. Je suis mort. Les procédures des prochaines activités sont en cours. Veuillez vous éloigner des portes. Je suis mort, les gars, je suis mort. Allez, barre-toi, enculé. Barre-toi. Allez, je me barre. Je me casse, les gars. Je me barre en vitesse. Wouah, ça m'a effrayé. Putain, c'est une cinématique. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Il a fermé. Il a fermé l'enculé. Il nous a enfermé, les potes. C'est quoi là? Allez au sas. Ok. Ok. Ouais, c'est un fils de pute comme tu le dis. Il nous a enfermé, les gars. Il nous a clairement enfermé. Allez, allez, on peut y arriver. On peut y arriver, les potes. On peut y arriver. Oh my god. Allez, c'est le seul moyen de le buter. Oh bordel. Comme par hasard, c'est tout au bout, les gars. C'est tout au bout. Veuillez rejoindre le SAS le plus proche et attendre la notification d'une réponse d'urgence. Bon, on peut y arriver. On peut y arriver, les potes. C'est juste ici. Pressuriser le sas. Oh non, putain, ça va prendre du temps, ça. Il est où? Je sais même pas où il est, les gars. Il est là. Les gars, je parle pas, j'essaie de me concentrer. Ok, c'est le moment. C'est le moment, les gars. Il est monté dans le conduit. C'est pas grave.
planque. On se planque, les gars. Pressurisation du SAS, 25. Oh putain! J'espère que vous êtes avec moi, les potes. J'espère. Regardez, il veut m'empêcher de passer, l'enculé. Il veut m'empêcher clairement de passer. Barre-toi. 50% effectué. 50%, putain, barre-toi. Pressurisation du SAS, 75% effectué. Me bats. Allez. Oh putain. Oh putain de merde. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les gars. La station ou quoi? Allez, remonte. Allez, on n'a pas fait tout ça pour rien. Allez, tire. Tire-moi ça. Putain. Oh my god. Bon les gars, là c'est vraiment la galère. On est de retour sur la station et on a un problème à régler. Les gars, on sait pas qui nous a enfermés. Est-ce que c'est Samuels qui nous a enfermés? Je sais pas. Je sais vraiment pas, les potes. Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Ripley, c'est vous? Ouais, Waits. Ah, c'est Waits. Espèce d'enfoiré. C'est Waits qui nous a enfermés, ce fils vous de pute. Vous m'avez enfermé. Vous avez éjecté le labo dans l'espace. Qu'est-ce que vous croyez? J'avais pas le choix. Vous avez vu cette chose? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Il fallait que je la sorte de la station. Quel que soit le prix à payer. Ouais. M'utiliser comme un pas. Me laisser crever. Mais ça a marché, Ripley. Merde, ça a marché. Je l'ai eu, cette saleté. Je l'ai largué dans la géante gazeuse. La station est en sécurité. Il y a ça. Il y a aussi le fait que vous êtes une ordure sans scrupules. Je retourne au bureau. On pourra reparler de vos méthodes quand j'y serai. Terminé. Ah ouais, là, on est vénère, les potes. Là, on est clairement vénère. Ce fils de pute nous a quand même enfermés, hein, alors qu'on allait gérer. Je pense qu'on allait quand même réussir. Alors, prochain objectif, prenez l'ascenseur vers les galeries Solomons. Trouvez comment retourner au bureau du marshal de la colonie. La créature a été enfermée hors de Sébastopol. Dans les labos du projet KG-348 éjecté dans l'espace, rejoignez le reste de l'équipe et confrontez Waits. C'est ce qu'on va faire. On va aller lui niquer sa gueule à cet enculé. Les gars, sans plus attendre. Hein. Donc, c'est pas par ici. C'est là, on doit utiliser la torche à plasma. Allez. Bon les gars, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même dégueulasse ce qu'il a fait. Hein, parce qu'on avait quand même réussi la mission. Il a bien vu que à une seconde près, on était dans le sas de décompression pour sortir d'ici. Et il nous a enfermés, quoi. Ça, c'était vraiment gratuit. C'était vraiment gratuit. On va voir ce qu'il a à nous dire, cet enculé. Mais il a de la chance qu'on peut pas mettre des pains dans la gueule dans ce jeu. Ou alors, peut-être que je vais utiliser le lance-flamme pour lui cramer le cul. Hein, ça me démange. Donc là, j'ai plus besoin de marcher. Enfin, j'ai plus besoin de m'accroupir. Si elle est plus là, la créature. Avertissement. Du coup. Apollo a élevé la... Ah, vous vous rappelez d'ici, les gars? Est-ce que vous vous rappelez d'ici? Merci. Ah non. C'était là où... Ah non, c'est... Non, c'était pas ici. Est-ce qu'on peut ouvrir, là? Non. Ok. C'est par là, alors. Je comprends pas, là.
Par où est-ce que je dois passer? Je pense que ça doit être par là. On va essayer de voir. Allez. Perfecto. Ok, rien de spécial. Y a rien de spécial ici, hein, les potes. Y a que dalle. Nothing. Donc peut-être par là. Non, ici c'est par là où je suis passé. Du coup, tu vas me dire, je peux pas activer ça. Non, ça je peux pas activer. Très bien. Et ici, je peux pas utiliser carte d'accès. Ah mais il y avait un corps ici. Peut-être la carte d'accès ici. C'est quoi ça? C'est un fusil à pompe? Yes! Oh, je suis humble. Fusil à pompe ramassé normal. Je suis humble, les gars. Allez, on va prendre notre petit fusil à pompe. Allez. Celui-là, il doit être puissant, hein, les gars. Celui-là doit être puissant. Utiliser la carte magnétique. Nickel. Ok, man. Ah, bah vous vous rappelez d'ici, avec Axel. Le cher Axel qui malheureusement perd son âme. Il a laissé sa peau, hein. C'est dommage, hein. Bon, il était un peu instable. Je vous avoue qu'il était un peu instable. Mais c'était un bon pote. J'aurais kiffé faire l'aventure avec lui. D'accord, je comprends mieux pourquoi ils nous ont donné le fusil à pompe, les gars. Très bien. Allez, tu vas dégager ta mère, toi. Parfait. Nickel. Ça, c'est pour toi, hein. T'as pris pour tout le monde, mon gars. Ok, ok. On va sauvegarder, les potes, en vitesse. Important, très important, les sauvegardes. Voilà. Alors, est-ce que je peux passer par là? Non. Rétablir le courant. Très bien. Donc, il y a quelque chose d'autre... Il y a autre chose à faire ici. Hein. Donc, c'est par là. Ok. Prenez l'ascenseur. Donc, c'est ici, les potes. Vers Galerie Solomons. Ok, très bien. Très bien. Ok, donc là, le bureau, il est loin ou pas? Il est quand même assez loin, les potes, le bureau. Donc, ce qu'on va faire, on est déjà à 24 minutes de record. On va s'arrêter là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Wait dans... Comme d'habitude, on va s'arrêter dans l'ascenseur. Hein, ça, c'est notre spot. On va s'arrêter ici. Et... Ouais, dans le prochain épisode, on ira voir Wait, on ira régler nos comptes, les gars. Parce que là, je pense qu'entre temps, entre ici et entre Wait, je pense qu'il y a des androïdes qui vont casser les couilles. Hein. J'en suis sûr, vu la distance où je suis, je pense qu'il y a des ennemis qui vont pas tarder à arriver. Donc voilà, tant que c'est pas l'alien, hein, je suis content. Je vous laisse là, les potes, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit j'aime, un petit partage, ça me ferait vraiment plaisir, et à vous abonner à mes réseaux sociaux, à la chaîne YouTube. Comme d'habitude, laissez un maximum de j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous sors la suite dans 2 jours, comme d'habitude. Demain, il y a votre épisode de Ori qui sort, restez connectés. Je vous dis à la prochaine, c'était Silver, les potes. Ciao.